pour votre forte mobilisation et pour la discipline dont vous avez fait preuve pendant la campagne et au cours du scrutin du 11 octobre. Je voudrais exprimer ma solidarité et ma compassion avec ceux qui ont perdu des proches ou des biens, ceux qui ont été blessés et ceux qui sont actuellement arbitrairement détenus, notamment à Koundara, Banankoro, Kerouané, Zérékouré et Mamou. Je m'incline pieusement devant la mémoire de ceux qui ont été lâchement assassinés par les forces de l'ordre dans le cadre de la campagne d'intimidation menée depuis quelques jours par les autorités. Dans les prochaines heures, la CENI rendra public les résultats provisoires du scrutin du 11 octobre. Comme vous le savez, cette élection n'a été qu'une mascarade organisée par la CENI et l'administration à l'effet de déclarer M. Alpha Condé élu dès le premier tour. Pour atteindre cet objectif, la CENI et ses démembrements, appuyés par les sous-préfets, préfets, gouverneurs et ministres de la République, n'ont rien ménagé. Édition et distribution sélective des cartes électeurs, modification à dessein de la cartographie électorale, bourrage des urnes, falsification des résultats du vote, exclusion, intimidation et emprisonnement des représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, substitution de procès verbaux, utilisation abusive des procurations, vote multiple, vote massif des mineurs, mobilisation massive et illégale des moyens de l'État. Au vu de ces multiples irrégularités, le collège des 7 autres candidats a déjà décidé de ne pas reconnaître les résultats de ce scrutin. Je confirme mon adhésion totale à cette décision. Je ne ferai pas non plus de recours auprès de la Cour constitutionnelle. J'inviterai le moment venu les autres candidats et tous les citoyens qui sont les vraies victimes de ce hold-up électoral à organiser conformément à la loi des manifestations pacifiques pour exprimer notre indignation et protester contre ce grave déni de démocratie. En attendant, je demande à tous les Guinéens de faire preuve de retenue et d'éviter toute forme de violence. Je vous remercie.